Salut les makers! Bon, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, j'ai envie de vous dire. La dernière fois, dans la dernière vidéo, donc je vous ai demandé si vous étiez chaud patate pour que je vous sorte des vidéos professionnelles, on va dire. Et vous avez plutôt été emballé et bien séduit par cette idée. Donc, aujourd'hui, c'est parti donc pour cette première vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que... J'ai une petite idée, j'ai quand même fait quelques essais, mais je vais filmer intégralement avec mon téléphone, donc je ne sais pas ce que ça va donner à l'iPhone, hein, aucune idée. Je pense qu'on va arriver à un résultat acceptable, mais on verra. Si ça ne me plaît pas, on essaiera de faire évoluer ça du mieux possible. Sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène, on va fabriquer ce qu'on appelle un mamelon, globalement. C'est une pièce qui vient au bout de ce qu'on appelle, nous, dans la boîte, des bras d'injection. Donc, je pense que je vais vous filmer ce que c'est le bras d'injection. Et vous verrez dans le processus de fabrication des pièces à quel moment il intervient. Et vous allez voir, en fait, c'est la partie au bout du bras sur laquelle on vient visser un piston en cuivre qui sert à pousser l'aluminium. Et cette partie est morte. Donc, en fait, il faut qu'on refasse cette petite pièce. Donc je vais vous filmer tout ça. Par contre, je vais vous expliquer le tout en voix off. Donc j'espère que ça va aller. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner. J'espère que ça va aller, qu'on va arriver à bien suivre. Et, parce que oui, forcément, dans l'usine, je peux filmer. Donc j'ai bien eu l'accord de mon patron. Vous avez été nombreux à me rappeler que c'était important. Donc oui, j'ai eu son accord. Je lui ai demandé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, je vais filmer, mais dans l'usine il y a trop de bruit, je peux pas parler en même temps, donc on n'écoutera rien. Donc j'enregistrerai après une voix off sur les images pour vous expliquer ce qu'on fait à ce moment-là. Bon allez, assez discuté, on se retrouve à l'usine. Allez, c'est parti, voici le bras d'injection que je vous parlais, les amis, et le fameux mamelon. Donc en fait, les filetages sont complètement morts, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir, mais ils sont complètement ronds, ils sont même cassés à des endroits, donc lui c'est poubelle. Pour refaire ça, donc j'ai monté un brut dans le tour, et on commence l'usinage, je commence toujours mes usinages de la même façon, je viens tendre sur ma face, et je dresse. Donc, la petite passe, hein, je suis sur une barre neuve donc qui a été sciée en usine, donc généralement j'ai pas de problème, hein. Les brutes que je reçois sont plutôt bien sciées, bien droit. Donc là un petit 5 dixième histoire de la mettre propre, et ensuite on peut démarrer le chariotage. Donc on envoie la lube et là on est parti, on va usiner sur 125 mm de long à peu près, et on va amener le rond de le brut de 61 mm, on va le ramener 55 mm. Donc c'est pas une cote très précise, hein. Ça peut être 56, ça peut être 54. Moi je me mets à 55, j'essaye de autour de 55, plus ou moins 3-4 dixièmes. Mais j'ai pas une grande précision en fait sur la cote du bras. Donc on y va en passe successive. On reprend. Pour ce qui est des conditions de coupe, je tourne. En général, je tourne toujours autour de 650 tours minute. Et j'adapte. Hein, si vraiment j'ai une grosse pièce, forcément, je tourne moins vite. Mais en général, c'est les pièces que je fais le plus souvent. 650 tours minute. Et en vitesse d'avance, je prends 0,2 mm partout. Je pourrais prendre plus en ébauche. Et puis après, faire une passe de finition. Hein. Mais bon, on n'est pas sur des pièces où l'aspect a une très très grande importance. Et encore que là, vous allez voir, j'ai un super état de surface à la fin. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, deuxième étape, on va venir faire un petit usinage en bout, un petit épaulement. Donc on va se mettre à 39,8 mm, vous allez voir en passe successive, parce qu'en fait là c'est la partie qui va être filetée, mais je ne suis pas fileté sur toute la longueur.
Il y a 14 mm, vous allez voir du côté gauche de votre écran, où on va laisser une épaisseur, enfin une surépaisseur, un deuxième épaulement en fait, à 39,8, et on va venir faire une petite rainure pour poser un petit joint torique pour venir faire l'étanchéité du bras plus tard. Parce que oui, en fait, le bras, vous allez voir plus tard, on va le percer de part en part parce qu'il y a du réfrigérant, de l'eau qui circule à l'intérieur pour venir refroidir le piston qui est en bout. Ça paraît un peu flou quand je vous l'explique comme ça, mais vous allez comprendre à la fin quand je vais réassembler le bras, je vous explique que en fait, il y a tout un système de refroidissement pour amener de l'eau froide au bout du bras et qu'elle revienne par l'intérieur du bras également et qu'elle s'évacue. Voilà, donc on poursuit notre usinage, on ne doit plus être bien bien loin de la vérité. Voilà, on donne un petit coup d'œil sur la visu. On voit qu'au niveau diamètre, voilà, j'étais à 41, je vais me poser à 39,74. Voilà, donc 6 centièmes en dessous du 39,8. Et je sais que je serai à 39,8 une fois fini. J'ai toujours un petit écart, surtout quand je fais de la grosse passe comme ça dans l'acier, j'ai toujours un écart entre la réalité mesurée au pied à coulisse et ce que me dit la visu. Bon, mais ça, enfin, c'est un peu la vidéo, je le vérifie toujours au pied à coulisse. Donc là, on l'a pas vu en vidéo, mais c'est sûr que je l'ai fait avant, je le fais tout le temps. Voilà, donc on a fini notre usinage à 38. Donc là, on va repartir pour se mettre à 36 sur 31 mm. Donc on garde ces 14 mm à gauche là, de la pièce. Et tout de suite, on voit là déjà que bah, du coup, là je reprends beaucoup moins, je dois prendre peut-être que 1 mille par mille. Et là, d'un seul coup, je commence à avoir de la perruque. Donc, ça, c'est dû ben, la géométrie des plaquettes, à la vitesse de coupe qui varie avec le diamètre, hein, parce que je tourne à vitesse constante. Et ben, là, je commence à avoir des perruques. Là, les copeaux ne veulent plus casser. Donc, ça, c'est un peu chiant. Et ça, je me suis rendu compte avec le temps ben, que ça venait de suivant les plaquettes que j'ai, la vitesse d'avance, la prise de passe, si je prends pas assez, si je prends. En général, quand je prends une grosse passe, ça casse bien. C'est si je suis entre les deux que je suis emmerdé. Donc, voilà, on continue. Passe successive. On va se mettre à 36 mm pour notre filetage en M36 par 2. Ou 200, comme vous voulez. Enfin, je dis 36, mais en vérité, je me mets toujours un petit peu en dessous. Je me mets en général à 35,8. Là, on va venir faire un petit chanfrein. Donc un petit programme préenregistré dans le tour, je vais le lancer et paf, il va me faire un petit chanfrein à 45 en bout. Comme ça me permet de dégager mon filetage quand je vais le réaliser et de ne pas avoir de soucis après pour faire prendre mon filetage. Là, j'ai monté mon outil à tronçonner et donc là, on voit que je viens faire une petite gorge donc dans ma surépaisseur pour venir loger mon joint torique. Donc ça, je le fais manuellement. Donc je ne sais plus de combien je plonge exactement, mais je sais que je le fais manuellement. Une fois que je touche, je sais qu'il faut que je descende je vous dis une connerie, mais 1 ou 2 000, je ne sais plus. Et là, je vais faire une deuxième petite gorge. Donc au ras de l'épaulement, pour venir faire un petit dégagement pour mon outil à fileter en fait. Parce que là, on va fileter, on va pas faire on n'est pas sur un tour tradit, donc on filete de gauche à droite, et non pas de droite à gauche. D'ailleurs, les puristes ont remarqué que le mandrin tourne dans l'autre sens, puisque mon outil est de l'autre côté. Voilà, outil à fileter monté. On part pour un M36-200. Donc le programme est fait, donc j'enregistre dans le programme la longueur que je veux usiner et le pas. Et ensuite, le tour se débrouille et il me ramène au point d'origine, à chaque fois. Et moi, en fait, j'ai juste à régler la profondeur de passe. Donc en général, au début, je prends 0,2 au rayon. Et à chaque passe, je diminue un petit peu parce que bah, plus l'outil plonge dans la matière, comme ça, l'outil affûté en pointe, en fait, plus l'outil plonge, plus il force. Donc, on ne peut pas prendre tout le temps des grosses passes. Et puis, d'ailleurs, on finirait par louper le filet. Donc, plus je plonge, plus je réduis la profondeur de passe. Ce qui est important quand vous faites un filetage comme ça, on ne s'en rend pas forcément compte à l'écran, mais je fais ce qu'on appelle des passes à vide. C'est-à-dire que je repasse sans changer le diamètre, en fait. Sans refaire de prise de passe à mon outil. Ça permet de nettoyer les filets et d'enlever encore un peu de matière sans que ça paraisse. Ça paraît bizarre, on croirait que c'est tout enlevé, mais non. Ça finit toujours par en relever. Donc là, je suis à la cote théorique où mon filetage doit prendre normalement. C'est ce que me dit la visu.
Donc on va vérifier ça avec la petite bague qui va bien. Et on voit qu'elle prend. Donc je relève mon outil et je l'essaye jusqu'au bout. Et on voit qu'elle visse toute seule et qu'il n'y a pas de jeu. Donc ça, c'est nickel, un bon filetage, bien réussi. On enlève la bague et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, donc c'est ce que je vous disais, on va venir percer le mamelon de part en part. Donc je lui mets un petit coup de forêt à centrer, histoire de bien être dans l'axe. Voilà, donc je fais ça, on y va tout doux hein, pour ça, parce que ça, les forêts à centrer, c'est quand même des outils assez fragiles. Encore que là, je suis sur un gros forêt à centrer, donc je crois que c'est un corps de 20. Donc bon, il est quand même assez costaud. Mais c'est vrai que sur des plus petits, il faut y aller tranquille, parce qu'on a vite fait de les flinguer. Et là, donc, on lance le perçage, donc on perce à diamètre 7. Vitesse de coupe 15 mètres minutes. Pour les outils chez CS, je dépasse jamais 15 mètres minutes. Je sais qu'il y en a qui peuvent aller, enfin on peut monter jusqu'à 20, mais ou peut-être même au-delà, mais moi je suis resté, ma limite c'est 15, voilà, un peu en dessous, tout petit peu au-dessus, mais rarement. On voit que ça coupe pas trop mal, donc là je suis assez content de moi, parce que c'est vrai qu'il y a les forêts, on a une machine pour les affûter au boulot, mais elle s'arrête à 13 mm, donc tout ce qui est au-dessus de 13, et Dieu sait qu'il y en a, c'est affûtage manuel, donc à la main, au touret, à la bande, et puis comme on veut. Et c'est vrai qu'à force, et ben, je suis plutôt satisfait de moi, parce que ben, on voit que le forêt coupe, et avec l'expérience, maintenant, j'arrive quand même pas trop mal à les affûter. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, hein, le temps de comprendre tous les angles qu'il faut respecter. Mais bon, on voit que maintenant, ça marche pas trop mal. Bon, on va finir le... forage, perçage en accéléré, et je vous reprends juste après. Allez, on arrive en fin du perçage et on passe à l'étape suivante, l'étape la plus redoutée, le tronçonnage. Alors aujourd'hui ça se passe mieux, mais c'est vrai qu'au départ que j'ai commencé l'usinage, j'avais quelques soucis avec le tronçonnage. C'était pas forcément de ma faute, c'était un mauvais réglage de mon porte-outil. Il n'était pas à la bonne hauteur, et du coup en fin de tronçonnage ça se passait mal. Pour le coup là ça va bien se passer, parce que du coup ma pièce est percée, donc je vais pas aller jusqu'au centre de la pièce, et de toute façon j'ai révisé mon hauteur d'outil, et depuis j'ai plus de soucis. Condition de coupe, je tourne je crois autour de 350 tours minute en général, et je prends 0,08 d'avance. Je lance ça en automatique, on n'est pas sur des gros diamètres, là on est sur du 60, à peine même, on est à 55, donc généralement, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Juste, ce qui est super important dans cette étape-là, c'est de bien lubrifier, et qu'il n'y ait surtout pas un copeau qui aille se coincer dedans, parce que là, si le copeau se coince, là, c'est catastrophe assurée. Mais on voit que là, en auto, ça se passe pas trop mal, la pièce devrait pas tarder de lâcher, et en principe, on a un super état de surface. Tac, voilà. Une bonne chose de faite. Bon, pour la deuxième partie de la pièce, et ben c'est comme la première, hein. En fait, je la monte dans l'autre sens, donc je la reprends en mordou pour avoir une bonne concentricité. Alors, on voit, l'état de surface est vraiment nickel. Donc, je vous ai passé le deuxième partie, mais c'est exactement comme la première, en fait. Hein. Voilà, donc là, la pièce est terminée. On va la remettre en place, on va la remonter en lieu et place de la nouvelle. Donc voilà le bras, donc on voit le tuyau au milieu, hein. Donc en fait il y a de l'eau qui circule, qui arrive par le petit tuyau de cuivre qu'on voit dépasser au milieu, elle vient tout à fait au bout du bras arroser le piston, et en fait elle repart par l'extérieur du tuyau de cuivre et par l'intérieur du bras, d'où le perçage légèrement plus gros que le tuyau. Donc on met un petit joint torique, on visse tout ça, voilà, ça visse nickel. Pas de jeu, suffisamment serré, donc faut forcer un tout petit peu pour la serrer à la main, et là c'est nickel. On serre un petit peu, on passe le joint, bonne étanchéité, on remet un piston, on remet un joint avant, voilà, un petit joint torique, là, je vais chercher un petit piston en cuivre,
Je remets ça au bout. Et le bras est paré à recommencer. En fait, voilà, on met un petit piston en cuivre au bout parce qu'il tolère mieux la chaleur de l'alu liquide qui est poussé dans le moule, en fait. Mais il a besoin d'être refroidi. Voilà, les amis, une belle petite pièce de réalisée. Voilà les amis, donc je viens de finir le montage de la vidéo et surtout l'enregistrement de la voix off. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va vous plaire, c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice-là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo dans sa structure en elle-même, ce que vous avez pensé de la vidéo dans son contenu, si ça vous a plu et si vous êtes chaud pour refaire des vidéos dans le même style, quoi, de usinage, avec une voix off derrière. J'espère en tout cas, parce que si ça vous a plu, j'ai pas mal de trucs qui peuvent arriver, hein, et qui pourraient être super intéressants. Des bagues en bronze, du fraisage, voire peut-être même des pignons, bah, des trucs un peu sympas, quoi. Sur ce, abonnez-vous. Hein, likez la vidéo et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.